Alors on va commencer donc bonjour à tous les amis et bienvenue sur ce stream. Donc euh, ce matin on va parler plutôt du, du procès sur XRP Ripple donc qui a été repoussé le 14 janvier 2022 et de la bonne nouvelle aussi sur le novacite. Donc on va commencer d'abord par parler de, du novacite les amis donc qui nous a fait une belle bougie hein, pour finir la semaine en beauté, les encourageant en tout cas sur le novacite. donc pour moi, on n'ira plus euh, dans cette zone-là. Ça, c'est fini. Euh, après ce qu'il nous a dessiné. Donc, c'était un gros bear trap, hein, comme prévu. Gros bear trap sur le novacite. Donc, on avait dépassé les doubles bottoms quand on était ici. Vous voyez, double bottom. On avait fait un écrasement un petit peu plus bas. Euh, donc, ça, c'était un gros piège. Hein, gros piège baissier sur le novacite. Et là, la bougie d'hier. Hein, on a repris, enfin, on a tenu ce support-là en jaune, on a rebondi, on a fait le W, hein, comme parlait dans la vidéo d'avant, et on est venu clôturer, eh bien, juste avant la fin de la semaine, au-dessus euh, du double bottom de la Y, ici. Donc, pour moi, on, si on a repris ce support, ce n'est pas pour rien. Tous les vendeurs qui ont été là euh, se sont trouvés piégés. Et maintenant, bah, on part pour la vague 3 en rouge, les amis. Ça, c'est sûr, sur le Novacite. Donc vraiment, très bonne nouvelle. Très heureux de vous l'annoncer en tout cas pour ce matin. Donc pour moi, ça c'est fini. On n'ira pas aussi bas. Donc je vais supprimer tout ça. Et puis bah voilà, let's go. Donc ça c'était prédit dans les, dans les vidéos d'avant. Je pensais vraiment que ça allait faire un bear trap. Eh bien c'est bien le cas. Voilà, avec la bougie d'hier, confirmée en quelques heures. Vous allez voir, je vais passer en une heure. Et vous allez mieux comprendre. Regardez ça. En trois heures, les amis, le cours du Novacite a complètement explosé. On est venu clôturer bah, au-dessus du support hein, des 3,35 euros. Et donc, en trois heures, juste avant de finir la, la journée, hein, enfin, euh, même carrément la semaine, parce que là, le marché est fermé. De toute façon, c'est un actif, ce n'est pas une crypto. Et on est venu clôturer la semaine aux alentours des 3,40. Donc bien au-dessus du, du double bottom, donc on l'a récupéré et cette fois bah, tous les vendeurs qui ont été en dessous du, du support hein, se sont fait carrément exploser. Donc, Robert Trap, et puis bah, maintenant c'est let's go, hein. on monte pour la, la vague 3 enfin. Donc, bonne nouvelle euh, sur le Nova c'est vraiment excellent. Donc, euh, bah, si je ne me trompe pas, ça devrait pumper dans les jours à venir. Alors, je ne sais plus où j'en suis là. c'est sais qu'il est le cours. Ok. On va se déplacer. Voilà. Donc vraiment très bonne nouvelle. Donc pour moi, la Z est terminée. La 2 également. Et on remonte en 3. Donc il y, y aura encore beaucoup de, de résistance. Hein, comme vous pouvez voir. Toute la grappe ici de résistance. Euh, surtout pour le, le weekly. Mais en tout cas, là, c'est très encourageant. On a récupéré le double bottom. On est venu clôturer pile poil. Enfin, même euh, largement au-dessus, quand même, du trait jaune. Donc, pour moi, ça, si c'est récupéré ce niveau-là, c'était un gros bear trap. Hein. Donc, tous ceux qui ont vendu là vont le regretter. Hein. Je pense qu'ils ont vendu à perte, vu que c'est un double bottom. Euh, quand on vend en dessous les doubles bottoms comme ça, normalement, ça, c'est des vendeurs à perte. Et là, ils vont le regretter euh, vraiment amèrement hein, quand ils vont voir le cours remonter euh, de façon explosive. Donc, normalement, on doit retrouver un cours sur le Novacite monter très très haut. Pour une 3 donc je vais annoncer les targets maintenant qu'on a le bottom définitif. On va regarder à ça. Alors, niveau extension, donc le plus bas était là et on va regarder. Alors, pour moi, la target ça serait les 100% premièrement. TP de, de sécurité seulement, donc on pourrait aller rechercher les 16,78 euros. Hein, vraiment, TP de sécurité, je vous conseille de prendre que 5-10%, euh, pas plus au niveau des 100%. Donc, on, on referait un nouvel ATH qui a été à 13-14 euros à peu près, à peine. Donc, pour moi, la vague 3, je la vois bien monter au 161,8 ici, donc légèrement un petit peu plus bas qu'on avait prédit avant. Donc grosse target, là celle-là vraiment à prendre pas mal ici pour la vague 3. Donc 25,35 euros. Les 200%. Donc c'est un TP euh, qu'il ne faut pas louper non plus. Hein, parce que plus on monte, plus il faut prendre d'argent, forcément. Mais ce n'est pas le TP vraiment standard. Euh, idéal en tout cas à prendre. Donc c'est les 30 euros. Les 261,8€ ici. 39,24 euros et tout en haut. Si vraiment le novacite montre euh, des signes vraiment très bullish, on pourrait euh, aller rechercher les 61,700. Donc durant cette vague 3 en rouge. Donc ça peut nous emmener très très haut. Donc vraiment la zone est excellente encore pour acheter du novacite. Euh, donc pour moi voilà. Hein. Sinon on n'aurait pas fait cette nouvelle bougie verte. C'est clair, surtout quand on vient de clôturer la semaine en plus euh, sur le Nova Seat. Donc, si on vient de clôturer au-dessus du double bottom, c'est pas pour euh, rechuter juste après et repartir pour une Z et une 2 bien plus basse euh, que ça. Donc, vraiment très bonne nouvelle. Donc, on verra bien la semaine prochaine, mais pour moi, on risque euh, d'être au moins dans les résistances ici euh, très très vite. Et puis peut-être qu'on va passer carrément au-dessus. Donc le niveau qu'il va falloir vraiment franchir, les amis, c'est la X, ici. Une fois qu'elle sera cassée, et puis qu'on sera au-dessus de ça, bon bah, là, ça confirmera bien que la 2 est posée là, avec la, la Z, et le cours pourrait monter pour la vague 3. Donc vraiment, le niveau clé à franchir, c'est ici. Donc je vais le mettre là, en trait rouge, comme ça, en, en pointillé. Donc, je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais peut-être mettre en, en plus gros. Euh, on va mettre ça comme ça, voilà. Donc, c'est-à-dire les 5,26 euros environ. Et dès qu'on aura franchi ça, euh, c'est let's go pour la vague 3. Voilà. Ça, ce sera vraiment le point clé sur le Novacite. Donc, à surveiller. Alors, vous êtes nombreux ou quoi sur le stream Je vais regarder. Pour l'instant, on est 8. Alors salut tout le monde, bienvenue sur le stream, MacGyver, Willy et Luigi pour l'instant. Donc bienvenue les gars, merci pour les likes. Alors maintenant on va s'attaquer à la deuxième partie, donc voilà pour le Novacite. Euh, donc j'espère que vous êtes contents. Très bonne nouvelle. Et maintenant on va passer pour le procès du XRP, donc comme tout le monde le est au courant. Que ça a été repoussé, euh, donc normalement ça, de, ça aurait dû être pour le mois de novembre, et malheureusement ça a été repoussé pour le 14 janvier 2022, comme marqué dans, dans cet article. Donc euh, bah, deux mois d'extension encore. Euh, donc il y en a beaucoup qui, qui me demandent, enfin qui me posent des questions durant le live. Euh, la plupart du temps. Avec le procès. Donc, on va essayer d'y répondre euh, ce matin en tout cas. Et on va voir quelques exemples concrets sur XRP qu'on a eu bah, justement euh, avec la SEC, l'annonce de la SEC euh, le, le mois de décembre hein, dernier. Alors, on va prendre un petit peu plus de recul et on va regarder à ça ensemble. Alors l'annonce de la SEC c'était ici si je me souviens bien. Voilà. 28 décembre 2020, le gros crash. Donc on va zoomer ici. Hop. Donc là on avait commencé le bull run à partir du 9 novembre 2020. Alors pour ceux qui viennent d'arriver sur XRP, bon bah là vous vous en foutez un petit peu, ça c'est sûr. Et comme moi, avec les anciens euh, sur XRP, on s'était déjà placé bien avant euh, cette date-là. Donc on avait commencé le bull run. On était tout content avec le BTC qui montait. Euh, ça nous avait poussé quand même très très haut. Hein. On était revenu à 79 centimes, hein. sachant qu'avant on était dans les, dans les 25 centimes de, de dollars. On n'arrivait pas à, à performer. Hein. Voilà, euh, c'était vraiment une zone d'accumulation pendant très, très, très longtemps. Donc, moi, je suis rentré en 2018. Hein. Donc, juste après le, bah, le gros pump hein, du, du XRP. Donc, je suis rentré là-dedans. Euh, vraiment, là, j'ai attendu très longtemps. Donc, là, pour revenir à notre, à notre histoire. On était avec le, le bull run du, du BTC, donc ça nous faisait pumper pas mal. L'annonce de la SEC, qui est sortie à peu près euh, au mois de décembre, euh, c'était le 21, je crois, par là. Enfin, c'était juste avant les fêtes de fin d'année. La SEC attaque Ripple euh, pour euh, bah, les, les, les monnaies euh, illégales. On va dire ça comme ça. Des tokens illégaux. Euh, comment je vais dire Pour expliquer clairement. Donc, bah, tout le monde s'est mis à, à vraiment à paniquer. Hein. C'était le panique sale complet. Vous voyez bien les bougies rouges qu'il y a eu. On est passé quand même de 56 à euh, 16 centimes, je crois, le plus bas, le bottom. Ouais, 17 centimes d'euros. De, donc c'était vraiment du grand n'importe quoi hein, avec l'annonce la, de la SEC. Donc avec une annonce pareille, normalement le coin aurait dû aller à zéro. Ah, euh, je l'avais dit dans les, dans les vidéos d'avant, euh, la SEC normalement aurait dû faire tomber le coin à zéro. Et là, ça a été défendu par les, par les gros euh, investisseurs, hein, les Waze. Ils n'ont pas laissé le coin tomber à zéro. Donc tout ce qu'on qu vendu ici, ça a été racheté par les Waze en fait. Vous voyez que là impulsion haussière on a même mêché jusqu'ici donc euh, pratiquement un double top avec la une avec cette mèche là et euh, ce que je veux dire par là c'est que là il nous balance une news avec le 14 janvier que ça a été repoussé donc pour moi vous connaissez bien que euh, on dit avec les rumeurs là donc quand il balance une rumeur donc là c'est une rumeur pour dire Hein? Ils nous disent que normalement, le 14 janvier, on aura la réponse du procès. Donc, ça, c'est sûr, on l'aura, forcément. Donc, on dit Buy the rumor, sell the news. Donc, quand la nouvelle va sortir, il faudra vendre, les amis, en fait. Et euh, je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous commencerez à acheter justement cette date du 14 janvier 2022. Et pour moi, ça, c'est une erreur. Si vous voulez monter avec le cours, c'est maintenant qu'il faut en acheter. Bah, je m'explique maintenant. Les prix, déjà, ils sont très très bas pour l'instant. On sait très bien que là, le BTC, il démarre juste son bull run en cassant son, son plus haut pic, là, ici. On l'a brisé des euh, 65 000 dollars. Donc maintenant, ce n'est pas possible que le marché va faire un M. Euh, sur le BTC, en tout cas, on a refait un plus haut, nouveau plus haut ici, record historique. Donc, on va continuer à monter avec le BTC. Même si on a un retracement, on va rechercher cette zone, admettons, entre les 50 000 et les 53 000 euh, de dollars. Même si le, le cours s'écrase encore et qu'il va dans cette zone. On a fait un plus haut, les amis. On a fait une mèche bien plus haute que celle-là. Donc même si au mois d'avril on avait monté jusqu'au 65 000, quasiment. Donc ça, on s'en fout. Maintenant, on sait que là, euh, on a refait un nouveau plus haut. Donc le cours va continuer forcément. Et pour aller chercher au moins la vague 5 ici aux 87 000, 88 000 dollars, voire même plus hein, avec le décompte que j'en tiens sur les, les vagues de plus grosse amplitude. Je vous ferai voir ça après. Donc, on sait tous que le BTC va continuer à monter. Même si là, il y a un écrasement, beaucoup de liquidations hier avec la chute du BTC. Je pourrais vous faire voir ça juste après. Et c'est là que je veux vous faire voir où c'est que je veux en venir. Tout simplement. C'est que si le BTC continue à monter, bah XRP va faire de même. Donc c'est maintenant qu'il faut en acheter et ce n'est pas à la date du 14 janvier qu'il faudra se dire Ah bah c'est bon, euh, Ripple a gagné son procès. Donc euh, bah, tout le monde va acheter massivement, ça c'est quasiment euh, certain, mais sauf que c'est là que tout le monde va vendre. Donc le marché peut-être jusqu'au fin janvier, ça risque de monter, justement pour piéger bah, les nouveaux investisseurs sur XRP. Et puis c'est là que le BTC va, va se mettre en correction au bout de 2-3 mois de, de bull run. Là, il va corriger. Admettons que par exemple, là je suis en weekly, ouais, ça tombe bien. Le BTC continue de monter. Donc on va chercher cette target. Voilà. Admettons que ça fait euh, fin novembre, on est ici. Au mois de décembre, on est par là. Euh, janvier, hop, on arrive par là. Et là, il arrive pratiquement au top. Euh, voilà, il trouve son, son blue off top ici. Hop, on est monté en parabolique. Et il commence à s'écraser vraiment à fond. Accélération baissière. Bah, le BTC va cracher à la date indiquée. Vous voyez Au 14 janvier. C'est juste un exemple comme ça. Hein. Bah, admettons que tous ceux qui se précipitent à acheter sur XRP euh, sur la date du 14 janvier. Donc le machin, peut-être XRP, il va continuer à monter également en suivant le BTC. Voilà, on va peut-être se retrouver dans les 3 dollars par là. Et encore, ce n'est pas sûr qu'il pète son ATH euh, connu ici. Hein. Ce n'est pas sûr du tout. Donc on peut s'écraser bien avant même. Et tous ceux qui auront acheté au 14 janvier, par là, bah se retrouveront piégés avec le, le crash du BTC. Donc, pour moi, franchement, ça serait une erreur d'acheter le 22 janvier. C'est pour ça que je vous en parle, parce qu'il y en a plein qui vont faire cette erreur, qui vont voir cette date-là euh, comme le Messi. Quoi. Ils attendent ça vraiment depuis longtemps pour savoir si le, le procès va être gagné par, le, par Ripple, hein, tout simplement. Mais on sait déjà d'avance que Ripple va le gagner, c'est sûr. Hein, euh, franchement, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir, la sec. Il y a plein de nouvelles infos euh, qui disent que, que Ripple va gagner. Alors, je lis un petit peu vos commentaires, les, les amis. Alors, bonjour à tous les nouveaux, hein. il y en a plein, je ne connais pas. Je te suis depuis peu, notamment par rapport à ta file sur Novasite. Je suis perché sur 4,45, j'ai hésité, le, le renfort sur 2,95, dommage. Ah ouais, ça c'est dommage, ça... Ouais. Mais bon après, euh, j'avais prédit aussi la baisse, hein. donc euh, là maintenant le W est en train de se faire sur le Novacide. donc euh, maintenant si tu veux en racheter, je pense que c'est bon ça l'a mis. Hein. On a validé la clôture. Donc, euh, il est toujours temps d'en racheter. Après, c'est un peu dommage. Oui, c'est sûr. Au lieu de l'avoir eu à, à 2,95, euh, là, tu vas l'avoir beaucoup plus, beaucoup plus haut. Alors, je vois qu'il y a du monde là ce matin. Donc, merci à vous, hein, à vous tous d'être là. Euh, vous êtes 28 là. Ça fait plaisir. Il y avait longtemps. Donc, n'oubliez pas les likes et puis de vous abonner hein, pour les nouveaux. Donc, je continue mon explication sur XRP. Donc, ouais, alors, si au mois de janvier, on arrive dans ce haut-là, et puis que le, le BTC crache également, parce qu'au bout de deux mois, trois mois de bull run, tout le monde sait que normalement, ça ne dure pas très, très longtemps, un hein, bull run, hein, c'est très, très rapide. Donc, si au 14 janvier, on vous dit que ça y est, ça va. Enfin, Ripple va gagner son procès. Et tout ça, bon bah ok, il peut peut-être encore continuer à pumper pendant peut-être une semaine ou deux. Donc il va continuer à monter. Ah, pardon pour ça. Je voulais prendre le dessin. Il y a tellement de bordel là-dedans. Donc il peut encore continuer à monter et après cracher, euh, suivre le BTC parce que voilà, hein, il va pas monter tout seul sans l'aide du BTC. D'accord Même s'il va, il va gagner un petit peu au départ parce que voilà. XRP a gagné le procès. Il peut encore continuer à performer contre le BTC un petit peu, mais il sera très vite euh, rattrapé par le BTC qui crache et qui continue de pousser les alts vers le bas. Donc, c'est ça que je, veux, ce que je veux dire en fait en faisant ce, ce live c'est qu'il faut faire attention vraiment à ça. Parce qu'il y en a plein euh, qui vont se faire avoir tout simplement. Donc, c'est pour ça que là, c'est Buy the Rumeur. Donc, la rumeur a été lancée euh, bah, du, du 20 octobre. Hein. Donc, pardon pour la, la notification. Donc, la rumeur a été lancée et on nous dit que le 14 janvier, le procès, il y aura une issue pour savoir si, oui ou non, Ripple a gagné contre la SEC. Donc, on verra bien cette date-là. Pour le procès, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. XRP va s'en sortir. Enfin, Ripple surtout. Euh, donc, euh, comment je vais vous expliquer ça maintenant Ah pardon, excusez-moi. Donc ça, on s'en fout pour l'instant. Alors, XRP, l'open interest, de toute façon, ouais, il continue d'exploser. Donc on pourrait encore descendre sur XRP, de toute façon, pour l'instant. On arrive dans la zone de danger. Euh, tout le monde euh, rajette du XRP en ce moment. En effet de levier, donc on pourrait avoir la purge. Hein. Euh, depuis le temps que j'en parle, on pourrait avoir une purge quand même sur XRP euh, pour nettoyer tous les effets de levier. On est repassé quand même de, de 46 millions à 85 millions d'XRP le vrai Donc ce qui est énorme. Hein. Et il va falloir une purge. Quand on arrive dans ces eaux-là, en principe il y a une purge sur le marché. Vous voyez, à chaque fois, quand on rentre dans cette zone, là on a eu des purges. Là également, là on a eu une purge. Donc si on rentre encore là-dedans, attention, on pourra avoir une purge et retrouver au moins ce bottom-là. Pour bah, liquider tout simplement tous ceux qui se sont leveragés à partir d'ici. Donc voilà, ça ce serait vraiment momentanément. Euh, sinon, l'OBV, bah, il se maintient pour l'instant ici. Hein. On est entre les moins 3 milliards et les moins 1,95 milliards environ. Donc on est toujours euh, là-dedans. Donc le bottom était là. C'était à partir du 21 juillet. On n'a pas refait de bottom par rapport à. Donc l'argent revient un petit peu sur XRP, mais bon, on est toujours dans le négatif, hein, malheureusement. On n'arrive pas à revenir au-dessus des, des zéros. Donc là, on l'avait fait. On avait fait une, une épaule, tête, épaule ici. Et puis bah, on a corrigé à cause de ça. Donc maintenant, il faudrait que ça, ça s'inverse. Hein, puis qu'on refasse DW et non DM, comme là on voit, ça fait des DM, DM à chaque fois. Donc euh, bah, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à monter tout simplement comme le BTC euh, le fait actuellement. Donc ça, on s'en fout un petit peu, c'est pour le BTC, ok. Donc voilà les amis, bah, je pense que sur le procès, j'espère que tout le monde a compris. Hein, c'est maintenant qu'il faut en acheter, c'est pas, pas euh, à la date du 14 janvier, ça c'est clair. C'est là que ça va commencer à baisser. Hein. Croyez-moi, le BTC, s'il fait son bull run, ça va pas durer très très longtemps. Hein, Un bull run, ça va se faire deux mois, trois mois, grand maximum. Et puis après, le crash. Ça, je suis quasiment certain. Donc pour moi, euh, la nouvelle, elle sort le 14 janvier. d'accord Mais comme on dit, buy the rumor, sell the news. Et ça, c'est vrai. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais voilà, je vous mets en garde à propos de ça. Pour moi, l'analyse technique nous indique qu'on doit monter partout en vague 3, donc on doit recasser l'ATH euh, qu'on avait fait au mois d'avril du, du 2021. Euh, voilà, on avait frôlé à peine les 2 dollars, on les avait chatouillés légèrement, et euh, bah, l'ATH de 2017, hein, bien sûr. 3,32 devrait être cassé probablement durant ce bull run. Euh, après, il faut voir s'il si y aura beaucoup d'acheteurs sur XRP. C'est ça la, la vraie question. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'acheteurs durant ce bull run Parce que euh, tant que le procès n'est pas fini, c'est ça que, que je veux vous faire dire. Euh, par exemple, vous voyez que XRP continue à monter durant le, le bull run. Pour, bah, profiter des targets quand même assez hautes, genre à 2 dollars par là, 1,80, 2 dollars. Prenez des tech profit quand même durant la montée du XRP. Profitez-en parce que je pense que XRP va pas surperformer vraiment beaucoup euh, durant ce bull run. Malheureusement, tant que le procès n'est pas fini, euh, donc ce sera pas vraiment dans ce bull run qu'on sera gagnant. Ce sera le prochain, les amis. Mais euh, voilà, ça fait peut-être encore des années à attendre, malheureusement. La SEC a bien foutu sa merde. Mais euh, voilà, je vous conseille de prendre vraiment des, des profits dans les zones euh, à 2$, 3$. Euh, si on arrive à monter un petit peu plus, 3,50$, je vous conseille vraiment de prendre des targets euh, assez conséquentes. Pour pas se faire avoir et après vous pourrez racheter du XRP durant le crash euh, du BTC quoi. Voilà donc j'espère que tout le monde a compris sur ça et que tout le monde est d'accord. Alors vers 3,10 ok ouais ça va encore 3,10 stop plus c'est cassure les 2,89 ok ouais c'est pas trop mal ça c'est bien joué l'ami. La, la je suis à la recherche d'infos à propos du airdrop de flair avec XRP chez Binance. Je ne trouve pas d'infos là-dessus. Alors là, moi, là-dessus, je ne comprends pas non plus hein, sur le flair. Euh, on devait le recevoir. J'ai toujours rien reçu, moi, euh, sur Bitstump, en tout cas. Alors je ne sais pas, euh, je, je m'y connais pas du tout sur le flair. Je ne sais pas quand que ça va arriver. Donc s'il y, y a du monde qui connaît, euh, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire des infos sur le flair l'airdrop euh, qui devrait arriver et la date surtout parce que moi j'y comprends rien non plus hein. moi-même euh... parce que pourtant le réseau mainnet du, du flair est sorti et puis bah j'ai toujours rien reçu moi alors je trouve ça bizarre sachant que j'avais vidé toute ma clé pour remettre sur le, le site un hein, beat euh, c'était au mois de décembre ça pendant qu'ils faisait les, les screenshots euh, des comptes et puis bah, j'ai toujours rien reçu donc euh, je sais pas si vous vous l'avez reçu mais moi j'ai que dalle alors Keo qui dit bonjour je pense que si Ripple gagne le procès on ne reverra plus ces prix là XRP sera relisté sur tous les exchanges. Alors ça, c'est bien vrai. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Hein. Je suis d'accord avec toi. Euh, surtout les exchanges bah, US, hein, parce que nous, en France, on n'est pas bloqué hein, sur nulle part. Binance, tout ça, euh, on peut toujours en acheter dessus. C'est vraiment que les échanges US qui ne peuvent pas acheter. Euh, bah, du XRP tout simplement. Donc, tant que le procès n'est pas fini aux US, on ne peut pas en acheter. Alors, je vais faire une petite, euh, un petit sondage, les amis, pour voir qui est d'accord avec moi, euh, qui pense que c'est tout à fait possible qu'on fasse ça ou pas. Alors, je vais faire un petit sondage vite fait. Euh, là, on va mettre... Dec. Voilà, on va mettre ça comme ça. Donc, petit sondage lancé. Alors merci d'y participer, puis on verra bien en fonction de, de qui est d'accord avec moi ou pas. On verra ça à la fin du de la vidéo. Alors, Relax TV, merci, si je, si je trouve, je vous passe l'info. Alors, merci à toi, ouais, parce qu'apparemment, dans le chat, la personne connaît sur euh, la date du, du flair, hein. Enfin, l'air drop de flair. Donc malheureusement, je ne peux pas te, te répondre, l'ami. Moi-même, euh, j'ai toujours rien reçu. OK, donc pour l'instant, on est à 80% sur oui, et euh, 20% qui pensent que ça va être non. Donc, on verra bien. Mais faites attention à ça, franchement, je vous mets en garde hein, de vendre par palier au fur et à mesure que ça va monter. Parce que pour moi, le, enfin, XRP ne va pas surperformer euh, pendant ce bull run, hein, malheureusement, euh, à cause du procès. Après, une fois que ce sera vraiment clarifié, bon, bah, le prochain bull run, forcément, sur le, le BTC, quand il aura lieu. Donc, ça peut encore durer des années, hein, le crash du, du BTC après. On verra bien combien de temps que ça pourrait durer, mais euh, bah ça pourrait être très très long en tout cas. Donc, prenez par palier des tech profits. Euh, les tech profits qui sont placés ici en rouge, euh, ce n'est pas pour rien. Parce qu'après, euh, au-delà des, des 5 dollars, euh, j'y crois vraiment pas. Pour l'instant, en tout cas, après, une fois que le procès sera fermé et définitivement euh, bah, gagné par Ripple, bon, bah voilà quoi. Après, tous les échanges US seront rouverts et forcément, euh, durant le prochain bull run, on passera peut-être de 3-4 dollars maximum pour XRP cette année à euh, du 15-20 dollars facile pour le prochain bull run quand le, le BTC euh, remontera également. Et qu'on sera à nouveau de, pour le bull run. Quoi. Voilà. Mais vraiment cette année, ça va avoir du mal à, à performer. Hein. Croyez-moi que sur le BTC, si jamais ça monte, il faudra prendre des, des bénéfices par palier. Parce que pour moi, euh, quand ils annoncent comme ça une nouvelle, le 14 janvier, tout le monde va se faire avoir. Ils vont acheter ici sur cette date-là et c'est là que ça va commencer le crash bah, du BTC et tous les altcoins euh, vont chuter également donc euh, ça, faites attention à ça pour moi c'est un gros piège un gros piège hein, qu'ils annoncent comme ça euh, c'est là que tous les Waze vont acheter massivement sur XRP, profiter du, du pump hein, du BTC pour faire gonfler tous les alt hein. et puis tout le monde va revendre euh, dans ces eaux là à 3 dollars 3 dollars 50. Ah, pardon, putain, j'ai ça. Et puis après, le crash hein, qui sera annoncé euh, par la suite. Alors, pour l'instant, les votes, on est à 8 votes. Donc, merci d'y participer. Hein. S'il vous plaît, mettez euh, pour le sondage le plus possible. Alors, 88 contre 12. Alors, ouais, je, vais je suis trader depuis 2006. Ah, ouais, quand même, ouais. Donc, ouais, tu connais pas mal. Toujours acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Ah, C'est pour ça que là, je le dis euh, à tout le monde. Alors, complètement néophyte en bitcoin, crypto, où puis-je acheter du XRP Compte-titre euh, donc, PA. Alors, tu peux en acheter sur Bitstamp, Binance. Donc, il faut faire un virement de la banque au site d'échange. Donc, les banques n'aiment pas trop envoyer de l'argent sur les sites comme ça. À chaque fois, ils nous font chier. Il faut, faut à chaque fois confirmer. Vous allez voir, c'est assez galère. Enfin, moi, je sais que ma banque euh, m'embête à chaque fois avec ça quand je fais un virement. Euh, voilà, mais je leur dis que voilà, c'est on fait ce qu'on veut quand même avec notre argent. Et puis, si j'ai envie d'acheter de, de, du, du XRP, ou voilà, c'est pas la banque qui va me, me faire chier avec ça. Alors, tu peux en acheter un petit peu partout, hein, de toute façon. Donc, il suffit de regarder sur le CoinMarketCap. Market hein. Cap, vous tapez cette adresse là. Par exemple, vous voulez acheter du XRP, comme dit. Vous cliquez dessus et vous voyez les sites d'échange ici, XRP Market, que vous pouvez acheter. Donc il y a Binance ici. Donc il y a beaucoup plus de volume. Hein. Acheter où c'est qu'il y a beaucoup plus de volume, c'est plus intéressant. Donc sur Binance, UOB, QCoin. Euh, Donc euh, Confidence, hein, ça c'est low. Alors, je vous conseille pas UOB pour l'instant. Hein, prenez plutôt des, des Confidence euh, high hein, plutôt. Et puis vous voyez tous les, tous les marchés disponibles. Hein. Donc il y en a plein. Il y a Bitstump, Bitfinex, Kraken. Donc voilà, il y a tous les sites d'échange ici qui sont répertoriés. Donc il y a toute une liste. Hein. Voilà, je ne vais pas vous les dire. Mais il y en a plein. Donc voilà, pour info, pour ceux qui veulent acheter du XRP, c'est ici que ça se passe. Alors, est-ce que tu crois que le fait que le procès soit retardé peut empêcher le bull run du XRP fin d'année Alors, c'est ce que j'ai dit euh, dans la vidéo hein, l'ami. Pour moi, le procès, euh, vu qu'il est retardé, ça va empêcher le, le cycle du, du XRP monter. Hein, ça, c'est sûr. Bon, on ne va pas rester euh, très, très bas. Hein. Ça, c'est sûr. Si le BTC continue à monter, XRP en profitera. Donc c'est pour ça que je vous dis de vendre par palier, les amis. À chaque fois qu'il va monter un petit peu, vous prenez un petit tech profit. Voilà, par exemple, on dépasse la zone de résistance ici, là. Hop, on continue à monter. On va dans le cadre rouge ici. Bon bah là, vous vendez, allez 5% de votre bague, 5%, 10%, voilà ce que vous voulez. Hein mais surtout prenez du, du profit à chaque fois qu'on va monter un petit peu. Là, par exemple, hop, on arrive dans cette target majeure de vente. Bon, bah, vous continuez à vendre. Voilà, vous prenez euh, 10-15% de votre bague. Et puis, toujours en laisser si jamais ça continue de monter euh, bien plus haut. Voilà. Mais pour ce bull run, hein, ça, c'est clair que moi aussi, je ne le sens pas vraiment monter euh, plus que ça. Donc, c'est pour ça que tant qu'il y a le procès, ça ne va pas être super. Alors pour l'instant les votes, il y en a eu 17 et 65% de oui, ils pensent comme moi, 12% non, donc il y en a très peu et ne sait pas, 24%. Alors bonjour à toi Erwan, bienvenue. Et à la fin on vend tout. Alors moi je ne te conseille pas de vendre tout à la fin. Hein, sincèrement, euh, garde-toi un petit peu d'XRP, genre 1000, 5000 XRP, et euh, le jour que ça décollera, bah, comme le ETH, hein, à des prix comme ça, bah là, tu seras content de les avoir, tes, tes 1000 euh, XRP, crois-moi, l'ami. Donc, un conseil, ne vend pas tout de suite. Hein. Voilà, c'est très important. Euh, moi, je sais que je vais me garder à peu près 5000 XRP de côté euh, tout, tout le temps, quoi. Comme ça, euh, si le jour il passe, euh, comme le BTC l'a fait, hein, imaginez que là le XRP il passe à 60 000 dollars. Somme vraiment euh, irréaliste hein, pour l'instant, hein, on n'y pense même pas. Mais imaginez que là le XRP il vaut 60 000 dollars. Un jour, bah, vous serez content de les avoir, là, les 5 000 euh, que vous avez laissés dessus euh, quand vous les avez achetés en quelques centimes. Donc euh, bah, je dis 60 000. Mais déjà, même 100 euros, vous serez content. Hein, sincèrement. Donc voilà. C'est juste pour vous faire voir un petit peu ce qu'il faut faire. Alors j'admets avoir fait all-in sur XRP. J'espère que ça va bien monter. Alors moi aussi, hein, je suis tout à fait all-in euh, dessus en tout cas. Hein, c'est la seule crypto où j'y crois vraiment à fond. Donc malgré le procès, euh, voilà, on sait que c'est du bullshit, tout ça. Le procès, euh, c'est de la connerie, hein, vraiment. On sait bien que XRP va s'en sortir, c'est pas ça qui va, qui va l'empêcher. Et même si on perdrait le procès et que c'est une sécurité, bah, il irait sur le comment dire sur le forex. Hein. Donc il euh, y aura des trillions et des trillions euh, d'euros dessus. Hein. Donc euh, forcément, le coin il finira par décoller. Donc on s'en fout, quoi. Comme ETH, les banques fédérales s'intéressent à XRP pour leur CBDC. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, l'ami. Et puis en plus, ça coûte pas cher, quoi. Avec XRP, il euh, n'y a aucun frais euh, de transaction, quasiment pas. C'est très très peu, en tout cas. Il euh, y a les frais, il y, y a la vitesse aussi de transfert, hein, c'est instantané quasiment. Alors que là, pour l'instant, les, les transferts entre les banques pour aller sur un site d'échange par exemple, hein, bah, ça prend un temps fou, quoi, ça prend des jours et des jours. Donc euh, voilà quoi. Salut Ludo. Alors, vendre la news, de quoi Si la news est bonne c'est parti XRP. Moi, perso, j'ai toujours soutenu le XRP, mais j'ai bougé en début d'année sur plein d'autres et je suis revenu. Mais bon, maintenant, pour la news en janvier, je charge ailleurs pour revenir plus fort. Alors donc, si je suis ton raisonnement, Ludo, tu comptes euh, racheter sur XRP euh, aux alentours du 14 janvier. Hein, C'est bien ça, si je ne me trompe pas à l'issue du procès. Là, tu vas profiter du bull run sur d'autres euh, altcoins, en fait. US13... -E. et utilisera XRP. Alors, ça, oui, de toute façon, j'en ai entendu parler. Ça, c'est même certain. Alors, pour le moment, j'ai un bac de 25 000. Ok. Ouais, en gros, je vais saisir les opportunités. faut saisir l'opportunité. Ok. Et le fait que le personnel de Ripple détienne une grosse partie des tokens ne posera pas de problème. Alors, normalement, ils ne peuvent pas tout vendre comme ça d'un coup. Ah, euh, ça, il faut se rassurer là-dessus. Ils ne peuvent pas tout vendre. Donc, ok, ils détiennent plus de la moitié, je crois, des tokens de XRP. Mais ils sont sur un, un ledger, enfin pas un ledger, comment on va appeler ça déjà ah, Comment ils appellent ça les amis déjà Mince, j'ai plus le nom en tête. Enfin c'est sur un compte et ils peuvent pas prendre ou vendre euh, tant de xrp. Donc je crois qu'ils peuvent pas vendre plus d'un milliard ou un million par mois, je sais plus. Un truc comme ça. Sinon ça serait trop facile quoi, si le coin il monte, eux ils vendraient tout et puis nous on n'aurait que bah, plus rien voire quelques, quelques miettes quoi. Donc euh, non c'est pas possible, ils peuvent pas tout vendre, en tout cas ça rassurez-vous, euh, ils peuvent pas vendre tout le, le, le XRP qu'ils détiennent. Alors XRP n'est pas une sécurité, tout le monde le sait, la juge Gary Gensler aussi, ce procès est une arnaque. Alors de toute façon, oui, je suis d'accord. Ça, ce n'est pas du tout une sécurité. Pour moi, euh, voilà. La plupart des gens le détiennent, le XRP, de toute façon. Et puis voilà, c'est pas, pas du tout une sécurité, clairement pas. Le XRP n'appartient pas à Ripple, ni aux employés de Ripple. Alors Quentin, non, mais ce n'est pas ça. Euh, je pense que tu ne comprends pas ce que je veux dire. Ils, ils détiennent du XRP. Euh, forcément, ils n'en détiennent parce que c'est une, une société. C'est Ripple qui détient les, les XRP de toute façon. Mais ils ont plus de la moitié des XRP sur un compte euh, qui sont bloqués. Quoi. Ils ne peuvent, peuvent pas tout vendre d'un coup. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est l'escroc. C'est ça. Le compte escroc des 50 milliards. Exactement. Donc n'hésitez pas à utiliser le sondage, hein, les amis. Ça va être assez intéressant. Donc pour l'instant, il y a eu 20 votes. Alors 60% sur oui, 15% sur non et 25% ne sait pas encore euh, bah, ce qui peut se passer. Donc pour l'instant, la majorité pense comme moi. Mais pour moi, c'est maintenant qu'il faut acheter du XRP, ce n'est pas au 14 janvier. Hein, clairement, c'est là que tout le monde va shorter. Euh, bah, en tout cas sur le BTC, ça va crash. Ça c'est sûr. Et si le BTC crash, ben forcément tous les altes vont suivre. Hein. Même l'issue du procès, s'il est gagnant en faveur de Ripple, euh, ben si le BTC crash, il va entraîner forcément le XRP à la baisse. Ça, c'est une chose quasiment certaine. Hein. On ne va pas se le cacher depuis le temps qu'on est sur XRP. On connaît les choses, on sait comment que ça se passe. Et euh, bah voilà, hein. il y en a plusieurs qui pensent également comme ça euh, de Buys the Rumor et Sell the News. Voilà, donc quand la nouvelle va sortir le 14 janvier, bah, croyez-moi que nous on ne sera pas acheteurs à cette date-là, mais plutôt vendeur à partir du 14. Voilà. On aura profité du bull run par rapport enfin de, de maintenant quoi. Voilà. Donc, si on se positionne maintenant, on sera largement gagnant à la fin du bull run. Donc, c'est là qu'il faudra profiter et revendre ces XRP. Mais attention d'en garder quand même euh, un petit peu sur votre, euh, sur votre compte. Hein. Ne vendez pas tout au cas où si ça monte euh, beaucoup plus par la suite. Donc, voilà, bah, je pense que pour le procès, les amis, on va s'arrêter là. Euh, City, bah, voilà, on en a parlé au début. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas sur ce procès. Mettez des likes, abonnez-vous à la chaîne. Et puis bah, on se retrouve pour une analyse un petit peu plus poussée sur XRP et le BTC également. On verra ça peut-être euh, tantôt ou demain. On verra. Alors, Ludo, ça c'est le principe de base BTC fait le marché mais il ne faut pas oublier le principe d'utilisation après le procès, car XRP peut changer la donne. Alors, tout à fait, après, ça peut FOMO aussi. Hein. Ça peut FOMO, exactement. Euh, vu que le procès va être gagné, vu que ça va vendre sur le BTC, euh, peut-être sur le BTC, les gens qui étaient là-dessus vont revenir sur XRP, justement, parce que le procès a été gagné. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus tout vendre son, son XRP. Hein. Mais je préconise plutôt par palier de 10-15%, euh, le temps qu'on qu arrive à cette date euh, fatidique des, des 14 janvier. Quoi, du 14 janvier, et après, on verra euh, si le cours continue de monter sur XRP, ou alors euh, on va suivre le BTC et crash en même temps que tout, tout le reste. Voilà. Donc euh, c'est ça que je veux dire, en fait. Donc, bah, en, tout, en tout cas, merci à vous. Merci d'avoir participé au sondage, donc 21 votes, enfin 21 votes pour l'instant. Euh, donc voilà, vous l'aurez sûrement en rediffusion euh, sur la vidéo. Euh, normalement, il doit s'afficher. Même, euh, de toute façon, je stream mon écran, donc euh, il est affiché là pour l'instant. Passez une bonne journée, un bon week-end les amis. Et puis, bah, on se retrouve très prochainement pour l'analyse du BTC et XRP en... En profondeur hein. on ira voir ça de plus près allez à bientôt les amis bye bye